collecter des eaux usées envoyées par leurs clients et détectent l'éventuelle présence de produits chimiques dangereux pour notre santé. Première étape, un marqueur génétique est introduit dans les œufs. Ensuite, les têtards sont exposés pendant 3 jours aux échantillons d'eau. Les scientifiques prennent ensuite le relais et mesurent la fluorescence des têtards grâce aux ultraviolets. Les polluants que nous recherchons dans ces têtards sont toutes les substances chimiques qui peuvent avoir un effet sur notre santé. Les pesticides, les produits pharmaceutiques et ce que l'on appelle les perturbateurs hormonaux, les perturbateurs endocriniens, tels que le bisphénol A, qui vont donc modifier nos équilibres hormonaux, thyroïdiens, œstrogéniques, androgéniques. Plus ces têtards sont fluo, moins la qualité de l'eau est bonne. Les conséquences sur l'environnement peuvent aller jusqu'à la féminisation des poissons. Le phénomène a déjà été constaté en France. À partir de janvier, l'entreprise va vérifier sur place les eaux usées rejetées par l'hôpital sud-francilien. Nous allons le faire, ceci, grâce à un dispositif mobile dans un véhicule qui sera équipé des outils de laboratoire qui permettront de prélever de l'eau à différents endroits de l'hôpital. WattFrog contrôle la qualité de l'eau en France, en Europe et même aux États-Unis. Son directeur regrette qu'une chose, ne pas travailler plus avec les élus et les collectivités territoriales essoniennes.